Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la carte du monde. Ouais, je vais où je veux aller. Bienvenue au Salon de l'Escalade 2021, qui est une franche réussite. Nous avons de nombreux exposants, de nombreuses activités, de nombreux débats, de nombreuses soirées cinéma. Non, c'est plus de questions, ça devient une routine, on essaye d'apprendre de pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, et on revient. Et le plus important, je pense, c'est de garder la motivation, en fait, c'est d'arriver à pas se frustrer, à être calme, à essayer de comprendre que ça fait partie d'un processus et que continuer ce processus, ça va permettre de réaliser cette voie et au contraire de se dire j'y arrive pas alors que je m'entraîne, je donne tout. Maintenant, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à comprendre pour s'améliorer et aller au bout. Mais c'est un processus très particulier et quand on l'a pas vécu la première fois, c'est assez dur. Se confronter à l'échec tant de fois d'affilée, c'est pas facile. De l'escalade et encore de l'escalade. Bonne ambiance, de la bonne humeur, de l'échange avec des gens motivés par cette discipline vaste et variée, avec les partenaires qui me suivent depuis longtemps, Altissimo, EB, Black D, Glénan Concept Car, mais encore bien d'autres marques. Il y a eu des essais dans des blocs un peu trop durs, un peu mal calés, que j'ai essayé de refaire le crack de bibliographie, mais je me suis un peu emballé, je crois. Allez, l'année prochaine.